caler là, tac tac tac. Je vais prendre mon Doliprane, je re... Ok, vas-y, je re la team. Je vais me... Je reviens. Les gars, c'était rapide. Ah nice, t'as trouvé une game. Let's go. Fais plaise. Hein? Tu fais quoi chez moi? T'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est mon setup? Bah je sais pas, il y avait un PC et tout. Ah Ouais. Ouais. ouais? Mais enfin, c'est juste en train de stream quoi. Ah ok, bah vas-y, je... Attends, Je vais chiller à côté. Ok. Vas-y, à tout gros. Ça va mec? Ouais, salut, ça va, Désolé, je cherchais quelqu'un pour... Enfin, je cherchais un endroit pour squatter ce soir. Ah Mais ouais? ça se fait rire. Ouais, ah, Oh, Il y c'est en a pas qui si mauvais galèrent. que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Au revoir, monsieur. Je Au salut. revoir, monsieur. Bah! Ok, l'accent de Gaulle, mon putain. Ouais, le gars, il y a eu un mec bizarre. Il a voulu squatter chez moi, genre. J'ai pas trop eu la ref. C'est bizarre un peu. Bref, ça va vous sinon? L'homme est là, putain, l'homme est là, frère. Invite des amis, amuse-toi aussi. Il y a un truc que j'ai jamais trop osé faire sur Twitch. C'est inviter des potes à moi qui sont pas du stream de base. Enfin, dis-moi, j'ai fait ça aujourd'hui avec Rika, où j'ai fait trois arènes avec lui. Mais moi, j'ai trop peur d'amener des potes. Enfin, je me dis, genre, c'est pas vos potes à vous, et donc peut-être que ça va pas vous amuser quand ils sont là, tu vois. J'ai jamais trop osé stream avec des potes. Toujours stream avec des collègues streamers. Et là, un stream autant dit que c'est vraiment important de streamer avec une micro qui sature quand il hurle. C'est trop simple, je trouve. Bah, bon, typiquement, ça, moi, c'est pas un truc que je veux forcément garder, tu vois. Ça, pour être tout à fait honnête. Moi, c'est un truc où je veux avoir un bon micro, tu vois. Parce que, en fait, c'est un truc de puriste en vrai d'avoir, de vouloir un micro qui est gaze. Y a quand même. En fait, la majorité des gens aiment quand même des bons micros. C'est un truc qui pourrait m'aider sur LoL. C'est peut-être d'apprendre la range des spells des persos. Quand je dis apprendre la range, c'est. En fait, je me fais une image visuelle de la range que ça a. Mais tu vois. Je saurais pas dire si ça a 100 de range, 500 ou 400, tu vois. Et même je sais que le Q-spell de mort de Kaiser a 500 de range par exemple. C'est-à-dire que je peux l'auto-attaquer à max range et qu'il me touche pas. Mais actuellement, je sais pas, tu vois. Il est dead là, hein. Je vais voir s'il flash. Ouais, bah nickel. Ok, c'est carré. Je vais. Alors j'ai un peu le seum. Parce qu'en fait si je serais rentré dans le bush, il aurait pris l'aggro des creeps. J'aurais dû mettre une ward, il aurait pris l'aggro des creeps et peut-être que je l'aurais peut-être même... La Z? Une petite DA bleue pour la reprise de l'homme travail. L'homme travail hein. Petite DA blue hein, t'as vu ça? Ah, putain j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était DA et pas DA bleue. On va essayer de le poke un petit peu. J'aimerais bien me faire gank en vrai, je pense que je peux un V2 facilement. À part s'il a son R. Bon, je vais jouer le bounce. Hein. Oh, faut que je fasse gaffe, si je prends un mauvais trade et qu'il me R, il peut gagner. Hein. Il aura beaucoup de stats quand même. Faut que je le poke un peu quoi. Ah, j'ai pas décalé moi, je vais juste keep mon freeze. Le seul problème c'est qu'il faudra un reset quand même parce que j'ai quand même beaucoup de gold. C'est du mobilier. Attends, mais là je le tue là. Différentiel de stuff quand même entre les deux top laners. Hein. Je voulais pas t'humilier de la sorte. Hein. Moi je pense qu'il se régale le mordé. Ceux qui pensent pas qu'il se régale, ils mentent. Ok, je gagne, je pense. C'est qu'il était mal alors qu'il a son W. T'as acheté l'intérieur, je suis arrivé au milieu, j'ai pas tout capté. Non, pas du tout, je fais mon stage de césure chez Vente Unique, qui est une boîte qui vend du mobilier. Et moi, je suis chef de produit dans la catégorie décoration.
Ouais, ça joue correctement ça en vrai. Ok bro, n'hésite pas hein, n'hésite pas hein. Bon bah une bonne game de reprise ça. Solide. Et ok top, et l'objectif à long terme, à part soulever des mordés sur LOL. Bah c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais faire ça en résumé, histoire pas que ça fasse une redite pour les viewers qui sont depuis tout à l'heure. Mais en gros, là je fais 6 mois de césure dans cette boîte, et je fais après 6 mois de césure dans ma propre boîte, donc en gros dans le stream. Et je vois ce que ça donne, si je me la donne 6 mois dans le stream, avec un premier arc, préparation, et ce bâton stylé. Deuxième arc, tryhard Corée, full LOL, puis arc vlog en Corée, puis retour sur Paris, et là j'essaie de voir ce que je peux faire avec le stream, sur du contenu IRL, etc. Là où je me projetterai dedans en tant que métier. Voilà. J'ai pas vu que c'était gardé. Je suis un golemon, bah je suis juste... Des fois je me dégoûte hein. Des fois c'est grave mon level hein. C'est honte, je viens de prendre là hein. J'aime trop en tout cas me faire counter pick mordé quand je joue Kennen, c'est trop chiant. Vraiment je pick Kennen AD du coup à la place de Kennen AP, c'est... Là je peux vraiment pas jouer genre. Enfin, en Corée ça souvent ça fait parce que les streamers stream trop tôt. Faire ça à même horaire qu'ici c'est un banger. Ouais je verrai, c'est des trucs à réfléchir. Et en vrai ça floppe jamais hein. Enfin c'est un gros mot quand même flopper. Après, écoute, il me chase. Je ghost. Oh, ça m'a hit. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte d'avoir pris ça. My bad. Si je fâche le filet, je solo carry la game. Parce que je meurs pas et pour un merde de tout. En tous les cas, l'action est bien quand même. Mais bon, je suis un golemon. C'est mérité. Je meurs. Du move qui clicote quand même. Dommage, pour mes deux morts j'aurais pu mieux les jouer. Petit top gap hein. Oh les Jeggy. Le chien. GG, Robalas. Non mais les gars, y'a rien à voir entre Robalas et moi en termes de connaissance de jeu quand même. Je suis meilleur en solo queue, je suis meilleur sur mon ETP, enfin, je suis meilleur en solo queue tout court, mais il n'y a rien à voir. Il a bouffé des centaines, voire même des milliers de games en pro play, là j'ai dû en regarder 10 dans ma vie. Pendant de games entières de solo game, genre une game pro play que j'ai regardé en entier, je suis focus dessus, je sais pas si j'en ai regardé 10 dans ma vie. Il a dû regarder quasiment au moins 500, tu vois. Forcément, il est beaucoup plus pertinent et intéressant en termes d'analyse de jeu.